passion. Ça tombe là. C'est 20 km/h, monsieur, ici. 20 km/h ici. Ouais, ben je vous entends pas. Avec votre moteur, je vous entends pas. C'est 20 km/h. Je n'entends pas ce que vous dites, monsieur. Vous dites quoi? Parce que c'est 20 km/h. Parce que vous filmez? C'est 20 km/h. Je vous pose une question. Est-ce que c'est 20 km/h? J'étais au-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que nous engueulent. Vous avez le droit de m'engueuler. Bah ouais, bien sûr, c'est une question de civisme. Vous n'êtes pas civique. Attendez-vous, vous serez engueulé, monsieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Gueule. Vous le ressentez comme une agression et c'est très bien. Non, ben voilà, ben la prochaine fois, vous respecterez le 20 km/h, monsieur. Et là, vous ne serez pas engueulé. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur.
Yes. What was the crime of which you were convicted? What was the crime? What was the crime of which you were convicted? I only wanted cigarettes. I push my trolley further. I glide around the frozen goods. Lost in here forever. Baila la samba, baila la samba, baila la samba.
la lèvre, t'es comme écart. Oh, t'es pitant, t'es carignan, et mis à mort. Oh, animalito! Oh, animalito! Eres el manita! Oh, mi cariño! Baila conmigo! Oh, mi cariño! Baila conmigo! Baila la mamá! Baila la mamá! Las vamos a Cuba! Las vamos a Cuba! Las vamos a Cuba! Cucupino! Finalement, à un moment donné, leur sort finit par se lier. Ils travaillent ensemble. Il y a une certaine bienveillance puisque ils sont plus considérés vraiment comme des ennemis. C'est des ennemis, mais en même temps, ils sont alliés. Et donc, voilà ce que je veux dire, c'est que l'être humain quand il est Thank you.
fonctionne, monsieur. Bagarre dans la discothèque, bagarre dans la discothèque. En fait, c'est très simple. Bagarre dans la discothèque.
bagarre dans la discothèque. Attendez-vous à vous faire engueuler, monsieur. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est très simple. C'est des ennemis, mais en même temps, ils sont alliés. Qui vous rappelle votre enfance? Une chanson qui me rappelle mon enfance. Alors, c'est Sublimation.
petit jingle de bagarre dans la discothèque quelque part.
renversé contre une façade ravalée. Vous pénétrez dans une buisson, les branches accrochent vos vêtements. L'une d'entre elles vient même griffer ton visage. Vous progressez dans le couloir de verdure jusqu'à atteindre le cœur du allié. Sophie est tout excitée. Elle vient se blottir contre toi, glisse ses mains dans les poches arrière de ton pantalon, plonge la langue dans ta bouche. C'est très simple. C'est des ennemis, mais en même temps, ils sont alliés.
was the crime of which you were convicted? Notre invitée, elle est journaliste et écrivaine. Bonjour. Bonjour. Vous publiez un roman, un livre passionnant qui crée un sentiment d'indignation, de sidération, une forme d'effroi. C'est l'histoire d'un cyberharcèlement. D'un cyberharcèlement. Cyberharcèlement. We'll be right back.
Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? I'm not a man, 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 I'm not a man,
Semi-permanent, des gens à qui tu boxes et si pas dans le monde sérieux, dans le monde des blogs, oui. Mais dans le monde des blogs, ça, c'est pas rare le fait d'avoir des fights. Non, d'abord c'est pas rare et puis tu sais pas non plus d'où ça vient et t'as certaines personnes de la blogosphère, comme on dit, dont c'est la spécialité, donc moi c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir, quoi. En fait, je vois ça un peu comme c'est assez malsain parce que ça met quand même des personnes réelles qui sont de l'autre côté de l'écran et une personne réelle, mais moi je vois ça assez comme un jeu électronique, quoi. Donc je fight, et puis mon Serge, il faut venir manger, boum, t'éteins le truc, et puis oublié, ces gens-là n'existent plus, quoi. Je fight. Ça, c'est comme un jeu électronique, quoi. Donc je fight. Bagarre. En fait, c'est très simple. C'est des ennemis, mais en même temps, ils sont alliés. Je suis à Saint-Gilles, devant le commissariat que vous voyez ici derrière moi, et il y a une situation incroyable que je dois vous expliquer. Il y a quelques mois en août, mon collaborateur Jonathan s'est fait voler son vélo et de manière assez surprenante, il l'a retrouvé ici accroché. Regardez, et ici on voit bien que le vélo volé a été accroché avec son ancien cadenas à un autre vélo. Peut-être que c'est fait volontairement hein, pour que la police ne puisse pas intervenir. Et la police est venue et la police a dit, Jonathan, la police a dit, elle ne peut pas intervenir. Donc, bonjour, moi je suis le collaborateur en question, donc j'ai été très surpris hier de retrouver mon vélo. Et j'ai attendu 2 heures la patrouille de police qui devait, je pensais, me délivrer mon vélo du vol dont il faisait l'objet. Et la police m'a dit que la seule chose qu'ils pouvaient faire, ils étaient d'ailleurs très sympathiques et ils étaient un peu dépités par le fait qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Donc ils ont placé une convocation sur mon vélo, sur la selle de mon vélo. Et donc la personne, soit le voleur, soit l'acheteur de bonne foi, doit donc se déplacer au commissariat avec la convocation. Et j'attends maintenant. Et on voit même qu'il y a une caméra là en haut. Et maintenant, on fait quoi ? Thank you.
Et maintenant, on fait quoi ?